te marier demain, Nick? Oh oui, bien contente. J'espère qu'il va faire beau. Tu l'aimes beaucoup, Michel? Je pense qu'on peut pas aimer plus. Tu penses que tu te maries pour longtemps? Ben, pour toujours, oui. Pourquoi mes parents à moi se sont pas mariés pour toujours? Peut-être qu'ils pensaient que c'était pour toujours, le jour de leur mariage, puis... Ben, après, ça a pu marcher comme ils voulaient. T'as pas peur de te tromper, toi aussi? Je me suis déjà trompée. Je comprends pas. Pourquoi tu t'es trompée? J'ai déjà aimé un autre garçon. J'étais en amour avec lui, puis... Le jour de nos fiançailles est pas venu. Je l'ai jamais revu. J'ai eu beaucoup de chagrin. Mais dans le fond, ça a été une vraie chance pour moi, parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était Michel que j'aimais. Je l'aime depuis longtemps, Michel. Alors, si j'avais marié l'autre, ben, ça aurait été comme une catastrophe. Je pense que c'est ça. Mes parents, leur mariage, ça a été une catastrophe. Mais tout est de la faute de ma mère. Oh, dis pas ça. C'est aussi triste pour elle que pour ton papa, ce qui arrive. Un soir, je m'étais levée pour aller à la toilette. Mes parents parlaient. J'ai entendu ma mère qui disait « Choisis Kevin, toi tu garderas Anouk. » Ma mère, elle a choisi mon frère, pas moi. Oh, t'as du mal à comprendre, Anouk. J'ai très bien compris. C'est pour ça que maintenant, j'aime rien que mon papa. Puis tu sais, à Miami, j'ai trouvé le temps bien long. D'abord, j'aime pas ça, la Floride, puis j'aime plus mes grands-parents. Ils sont contents que ma mère ait laissé mon père. Mon rêve, ce serait de rester ici, avec vous autres. Tu devrais en parler à ton père. Peut-être que c'est pas possible que tu restes avec nous autres à cause de tes études. Tu préfères que tu sois pensionnaire avec ma tante Pierrette? C'est drôle, ça. On ne demande jamais leur avis aux enfants. Même quand ils ont l'âge de raison. Moi, je trouve que c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas juste. C'est tout? Oh, rien. Rien, pépère. Bon, ben moi, je vais voir grand-maman. Long à te compter, la petite. Ah oui, papa. Je me demande ce que je serais devenue, moi, quand j'avais son âge, s'il m'était arrivé ce qui y arrive. Puis elle prend pas que ses parents se séparent. Elle met toute la faute sur sa mère. Elle s'en vient même à l'haïr. C'est vrai? Ouais. C'est pas trop, trop bon, ça. Tu devrais en parler à ton frère. Il y a rien que lui qui peut y voir. Ouais, mais si j'ai pas le temps d'ici à demain, faites-le donc, vous, papa, si vous avez une chance. Bon, ben moi, je vais finir de paraître et je vais aller voir à mes petites affaires. Comme ça, t'as fait un bon voyage. Ah, ben bon. Tu comprends, cette fois, en prenant ma correspondance et en allant jusqu'à Joliette avec l'autobus, ça faisait pas trop loin à Michel pour venir me chercher. Veux-tu boire quelque chose? Non, non, je vais attendre le souper. Tout est correct. Je voulais seulement que tu vois la robe que je vais porter demain pour le pique-nique. Elle est pas trop habillée. Pas toute. Elle est fraîche, toute fleurie de même. Dire que c'est demain les noces. Ça fait drôle, la maison est si tranquille. Bien sûr, quand Nina va se marier, ça va être une autre affaire. Vu que ça va être à nous autres, à voir à toutes. Remarque bien que cette semaine, j'ai été donner un bon coup de main à Jeanne. On a fait pas mal de nourriture pour la soirée après le mariage. Je suis sûre que ça va être le plus beau des mariages. Ah, c'est vraiment bien extraordinaire que ces deux enfants-là se marient. Jonas disait ça l'autre jour. Michel y était dû de toute façon pour entrer dans la famille par toutes les portes. Dans le temps, quand on gardait notre secret, Jonas puis moi, on n'aurait jamais imaginé ça. D'abord, Michel, il y a quand même 5 ans de plus qu'Annick.
Quand il avait 20 ans, elle en avait 15. Puis il me semble qu'Annick est restée petite fille plus longtemps que les autres. Elle était douce, moins fleur que ses sœurs. J'ai toujours eu un petit penchant pour elle. Elle se tenait beaucoup avec Lina. Pour ce qui est de moi, Michel m'avait jamais parlé d'Annick. Il m'en parlait, oui, mais comme de vous tous. Il me disait son enfance avec vous autres, mais jamais un mot spécial pour sa cousine. Peut-être bien qu'il avait peur d'en parler, hein, de se confier. Ça a été pareil avec nous autres. C'est la belle Lina qui s'en est rendue compte qu'il aimait Annick. Je te dis que celle-là, il n'y a rien qui échappe. Elle peut bien écrire des pièces de théâtre puis des articles. Elle voit tout, elle entend tout. Si on m'avait dit il y a 15 ans que j'assisterais aux noces de mon premier petit-fils, je l'aurais jamais cru. Pourtant, il n'y a pas de jour où je ne pensais pas à lui. J'ai commencé bien des lettres pour toi, puis je l'ai jeté. Je me disais, non, faut pas. Faut pas que je défasse qu'est-ce que le bon Dieu m'a permis de faire dans le bon temps. C'est même pour ça qu'après quelques années, j'ai pu répondre à tes lettres. J'avais peur que le petit apprenne qu'il n'était pas de vous autres. Je n'avais pas crainte pour son sort, hein? Vous l'aimiez tant. Puis, il y a eu l'adoption de la petite sœur. Tout était parfait. Valait mieux que tout reste de même. Seulement, c'est facile à dire, pas à faire. Ce bébé-là, en le voyant à sa naissance, parce que je savais que tout était contre lui, je l'ai aimé. Un jour, ça a été plus fort que moi, je t'ai envoyé une lettre. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Puis toi, puis Jonas, là, je vous remercierai jusqu'à ma mort. Dites-toi bien que c'est la même chose pour nous autres. On te remerciera jusqu'à notre mort. Michel, notre fils, on te le doit. Lui puis sa sœur, là, c'est toute notre raison de vivre. Mais dis-moi donc, parle-moi donc un peu de tes enfants. Oh, mes fils, ils sont bien. Ils viennent pas trop souvent me voir. Angèle est venue des Maritimes avec ses deux plus jeunes. Elle a passé 15 jours avec moi le mois dernier. Ah oui? Elle va bien? Oui. C'est assez comique. À cause de son mari qui est anglais, c'est rendu qu'elle casse son français. Elle ne parle jamais de... du passé. Elle m'en a parlé pour la première fois. Faut dire qu'elle a demandé qui c'était la photo sur le bureau dans ma chambre. Elle a demandé, mais elle savait. Tout de suite, elle a dit, c'est le petit. Je savais plus quoi répondre. Elle a ajouté, ben voyons, maman, tu vois bien que mon dernier lui ressemble. Et c'est bien trop vrai, le petit Clarence, là, qui a 12 ans. Il est pareil à Michel. C'est bien mystérieux, la vie, hein? Ta petite Angèle était enceinte à 15 ans. Tandis que moi, qui étais mariée puis qui en avait 29, je pouvais plus avoir de petits. Des fois, je me demande comment t'as pu penser à nous autres pour nous donner Michel. Allô? Allô? T'en veux une? Ah, oh, non, non. Ben, débouche là. Alors, les belles femmes, là, on fait la josette, là? On a toujours de quoi se dire, Éléonore et moi. Bon, mais l'eau est raccordée dans notre nouvelle maison, là, puis en revenant de voyage, on va habiter chez nous. Ben, voyons, il n'y a quasiment pas de meubles, puis les tapis sont pas posés. Puis je suis si contente de vous avoir un petit peu ici, tous les deux. Bon, on verra ça un moment. Ben, tiens, on va laisser Annick décider, d'accord? Puisque on est rien que tous les quatre, là. Tiens, Michel, c'est de ma fille. C'est que tu te maries bien. Qu'est-ce que c'est, grand-maman? Oh, je pense bien que c'est de l'argent. Ah. Est-ce qu'elle m'écrit? Bon, je croirais qu'un petit mot, mais elle voulait que t'aies... Ah, grand-maman, je ne veux pas être méchant, mais dans mon idée, à moi, c'est mieux que je prenne rien d'elle. Hein? Je lui dois la vie, c'est bien sûr, mais c'est tout juste. Hein? Alors, pensez pas que j'y en veux. J'en veux pas pantoute, j'ai très bien compris. Fallait qu'elle m'oublie. Vous avez toujours pensé à moi, hein? Ah, à cette heure que je sais d'où je viens, ça me tracasse plus pantoute. J'ai une grand-mère que j'aime, puis que je respecte. Puis pour le reste, ben tout est ici. Mon père, ma mère, puis en plus, ben je vais épouser la fille de mes rêves. Alors, vous pouvez dire à votre fille que je suis un homme bien heureux, puis qu'elle peut continuer à m'oublier.
allure. Faut pas que tu prennes ça mal. Faut le comprendre. Je savais que j'aurais pas dû lui donner l'enveloppe. Je savais qu'Angèle avait pas d'affaire à envoyer quelque chose après 27 ans. Mais comment elle a su que tu nous avais revus? Ben, Angèle a vu la photo de Michel chez Alice cet été. Elle a deviné. Ben moi, je comprends Michel. Ben moi, je comprends Angèle. C'est bien sûr, mon vieux, qu'elle a toujours fait semblant d'oublier. C'est donc vrai, hein, Éléonore? Mais je veux dire, comme ton mari, Michel a quand même raison. À cette heure-là, tout est correct, tout est bien. Tu vas être tout étiré pour demain. T'as de valeur? Ben non, maman, ça me repose pareil. J'avais envie de regarder un peu de tout ici dedans. J'avais envie de regarder toute la maison. Oh, je peux pas croire que je m'en vais. Je peux pas le croire, moi non plus. T'es ma dernière fille. Tu vas pas me manquer. J'ai tellement eu d'agréments avec toi. T'as été une bonne enfant. Et puis moi, j'ai été heureuse avec vous autres, maman. J'espère que je serai comme vous avec mes enfants. Tu pouvais pas me faire de plus beaux compliments. Ouais. C'est peut-être la dernière chance qu'on a d'être toutes seules tous les deux avant tes noces. Oui, mais je vais venir vous voir bien souvent après. Il me semble que je vais avoir encore plus besoin de vous, bien des fois. T'as peut-être raison. C'est toujours bien entendu. Je vois pas pourquoi on pourrait pas devenir de bonnes amies. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut se dire. C'est réconfortant, il semble. Heureusement qu'on s'est réveillés toutes les deux. Depuis le temps que je voulais être tête à tête avec toi. Mais il y a toujours tellement de monde dans la maison. Joseph, Anouk, Frédéric, Martin... François. Bien sûr, maman. C'est la maison du bon Dieu ici. C'est aujourd'hui que je me marie, maman. Oui. Justement, c'est le bon temps de se parler. Oh, pourquoi je me demande ce que ça peut donner. De nos jours, les conseils d'une mère à sa fille, la veille de ses noces... C'est pas trop de nécessité. Il doit pas avoir grand-chose à t'apprendre. C'est vrai qu'il y a pas grand-chose qu'on sait pas. Du point de vue sexe, là. On en fait plus un secret comme autrefois. Mais ça veut pas dire qu'on a pas peur de pas bien faire les choses. Et puis y a pas rien que ça, hein. Coucher, là, c'est pas tout. T'as bien raison. Hier matin, Anouk m'a demandé pourquoi ses parents s'étaient pas mariés pour la vie. Puis ça m'a donné à jongler. Mmh.
Ça m'a fait penser que même un grand amour, ça peut finir si on n'essaie pas de prévoir. J'avais rien que 10 ans quand Joseph puis Jocelyne étaient en amour. Puis s'aimaient beaucoup, ces deux-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, maman, pour que Michel puis moi, on s'aime pour toute la vie? Il me semble que s'il y a quelqu'un qui sait ça, ça doit être bien vous. Si. Je ne sais pas. C'est dans le temps, nous autres, ce qu'on faisait. On le faisait surtout par instinct. Avec l'éducation qu'on avait reçue, et puis... Avec la religion, qui ne rendait pas toujours les choses faciles. Alors, tu comprends, de nos jours, les petits secrets, puis nos expériences, ça peut pas être bien, bien utile aux jeunes d'aujourd'hui. Mais une chose qui reste bien importante quand on se marie. C'était du même milieu, du même monde. Je parle pas au point de vue argent, là, ou béton intérêt. Non, je veux dire, au point de vue habitude, éducation. Tu vois, c'est ça qui a fait défaut chez ton frère et ta belle-sœur. Ils n'avaient pas la même éducation. Alors quand le plaisir de faire l'amour a passé, ben, il ne savait plus rien à se dire. Le bonheur pour eux autres, ça ne correspondait pas à la même chose. Oh, il me semble que Michel puis moi, on a les mêmes goûts. On a été élevés de la même façon. Mm. Prenez à part l'ouvrage. Lui a ses meubles. Moi, j'ai ma peinture. Puis lui, comme moi, avec Pepin, là, on a tellement pris l'habitude de lire, on aime ça tous les deux. Oui, mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. Mm. C'est que dans la vie de tous les jours, ce qu'il y a de plus dangereux dans la vie d'un couple, c'est l'habitude. Puis il faut que tu comprennes aussi qu'un homme puis une femme, c'est pas pareil. On est tellement différents l'un de l'autre. Notre vue sur les choses n'est pas pareille. Alors il faut essayer de se comprendre, de s'ajuster. Un homme, c'est un homme. On l'aime comme il est. On le marie comme il est. Il ne faut pas essayer de le changer par après. Il me semble que j'aurais pas envie d'essayer de changer Michel. Ah, vous êtes là tous les deux? Chut! Pour réveiller grand-maman Barreau. Je me demandais ce qui arrivait quand j'ai vu que tu n'étais pas à côté de moi dans le lit. Annick pouvait pas dormir, alors on en a profité pour jaser toutes les deux. Hein? Annick! Ce qui m'a réveillée, c'est l'idée que je dormais dans ma chambre pour la dernière fois. Oh. La grande maison, ben, c'était déjà plus ma maison. Ça allait devenir la maison des parents. Je l'ai dit à maman tout à l'heure, papa. J'étais bien heureuse avec vous. Ah. Ça fait plaisir d'entendre ça. En tout cas, si tu étais une petite fille heureuse, j'espère que tu vas être une femme heureuse. Merci pour tout, papa. Merci, maman. Bon, ben, c'est temps que j'ai réveillé tout le monde. Là, j'ai envie de dormir. Ben, heureusement que le mariage est à 3 heures de l'après-midi. On va pouvoir se reposer. Puis, ben, il va faire une belle journée demain. Le pique-nique va être réussi. Un pique-nique. Facile de la vie. Chut! Oh. Retourne-toi, là. Touche plus à rien, là. Ça va tenir. Mm. Bon, ben, je vais aller jeter un coup d'œil à ton père. OK. Regarde-moi donc un peu, toi, Antoine Jacquemin. Oui. Bon! Ça va, attends. C'est ici. Non, Antoine, Annick, la limousine est arrivée. Êtes-vous prêts? Mais oui, on est prêts, pépère. Nous autres, on va prendre la voiture, puis on va suivre la limousine. Ah, mais tout le monde doit être rendu à l'église à l'heure qu'il est, là. Mais c'est normal, ça peut
père. Il faut que la mariée arrive quand tout le monde est placé. Oui, toi puis moi. Oh. Ah, voyons, non, papa, vous êtes plus nerveux que les mariés depuis un matin. Allez, on se dit au chauffeur qu'on arrive. Bon, c'est correct, là. Rien oublié. On peut s'en aller. Hein? Allez. T'es parfait. Oh, j'ai dit, il vous attend. Oui, mais on arrive. J'ai assez hâte de voir ma petite fleur, moi. Bon, mais me voilà, papa. Ma petite fleur qui se marie dans la robe de noces de sa grand-mère. Mon doux que tu ressembles à ma Rosabelle. Ah ben, je l'attendais, celle-là. Antoine, oui? Donne le bras à ta fille pour aller jusqu'à la limousine. Ah ben oui. Que t'es donc pareil, que t'es donc pareil.